Accessing public services for most people is often taken for granted. But for Eric Grassian, 57, accessibility for all users has been his personal mission for more than two decades. J'ai des nanites à Berne, dans tous les endroits, à l'attaque de 97, 99. Et voilà, j'étais en télétransition pour les de la mobilité. Et puis après, j'ai contacté aussi les TSS, les trains, l'hôpital des TSS à Berne, en disant que les toilettes étaient dans les dimanches. Pour moi, pour les autres, ça veut dire que les toilettes, où j'étais 38, j'arrivais à rentrer, j'étais arrivé dans terre de la porte. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities estimates that of the 6.25 billion people predicted to be living in urban areas by 2050, an estimated 15%, or 937 million, will be persons with disabilities. Dans tous les pays du monde, dans en Afrique, dans en Inde, dans n'importe où, voilà, quand on est autonome, dans tout le monde, pas tout le monde, mais toutes les personnes comme vous, les honnêtes, voilà. Lack of accessibility contributes greatly to the marginalisation of persons with disabilities and results in disproportionate rates of poverty and exclusion, according to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Les gens, en le voyant, ils réticent beaucoup mieux. Ils réticent beaucoup mieux en le voyant. En écoutant. En vivant avec moi. Quelques heures. Une heure, deux heures. Ou une journée, ou trois jours, ça dépend. Les gens, avec moi, ils se rendent compte. Les gens, sans moi, ils se rendent compte. Travaillant en tant que temps. Dans n'importe quel travail. Demandez des personnes. En charge roulante, ils connaissent ni le trodène de la non-dignité, To be seen, it's very important for persons with disabilities as it is for any other person around the world. Unfortunately, people with disabilities have been excluded from community living and from being part of society for too long. And the consequence of this is that people have no direct experience of what it is to be a person with disability and how persons with disabilities can contribute to enriching everybody's life. Moi, j'étais dans les zones et les personnes comme moi, ils ont peur de se montrer. Ils ont peur d'aller de côté loin. Ils ont peur dès que ton corps est accueilli. Il y a les parents qui sont derrière, là, plus tard, où ils sont allés voyer avec les personnes qui leur ont dos. Bon, maintenant, il y a beaucoup de personnes à mon identité qui se baladent. C'est bien. C'est assez, mais que les gens sont pas encore informés de l'évolution qu'il y a eu depuis des années. After a near-fatal accident in 1989, Eric Grassian woke up after 2 months in a coma to life confined to a wheelchair. Je sortais des courses, de rentrer chez moi à Genève, puis la voiture qui est rentrée dedans. Là, j'étais à pied, et la voiture s'est barrée. On a retrouvé la personne, on a retrouvé la voiture, on a retrouvé la personne. C'était une voiture volée, voilà. J'étais 2 ans dans l'hôpital et 2 mois de coma. Avec un état comme vous voyez aujourd'hui. A former professional ice hockey player, his life was literally turned upside down. But his passion for hockey never wanes.
persons with disabilities face higher exclusion from housing, both public and private, than others. Data from 32 countries in Europe show that 4.7% of persons with disabilities experience severe housing deprivation, compared to 4.1% of other people surveyed. Participation is key for changing attitudes around persons with disabilities, and what needs to be particularly supported is that people with disabilities can be part of societies on an equal basis with others.